La crise économique a creusé le fossé entre patrons et employés. Pour faire évoluer l'image de l'entreprise, certains patrons sont prêts à prendre des mesures exceptionnelles. C'est une expérience inédite et incroyable. Un patron va redescendre en bas de l'échelle et travailler une semaine dans son entreprise incognito. Ce patron, c'est Jérôme Faucheur. Il est le directeur général d'une société spécialisée en vacances en mobilhome. Le patron va abandonner son statut de directeur général et son confort de vie pour devenir un simple stagiaire dans son entreprise. Pour passer incognito parmi ses employés, il va se métamorphoser et changer d'identité. Alors, vos impressions ? Oh là là ! Pendant plusieurs jours, il sera un patron sous couverture. Il va apprendre un métier par jour et sera formé par 3 salariés différents, mais ils ne savent pas que c'est leur directeur général. Bonjour, je suis Didier. Oui ? Enchanté Didier. Bonjour. Le patron va découvrir les failles de son entreprise. T'es pas au camping là, t'es chez toi. On a le droit d'embarquer la trousse à outils pour chez soi ? Qu'un employé prenne, pendant une journée de travail, l'intégralité de la trousse à outils, ça me choque énormément. On a joué au foot pendant un bon quart d'heure, en plein soleil, il n'y avait pas d'eau. Ouais, attends, on boit quand, là ? Et ça, c'est grave. C'est quoi, les trucs qui traînent, là ? C'est pas acceptable de montrer ça aux clients. Comment tu fais, d'habitude, là ? Moi, d'habitude, j'ai jamais fait ça. Il sera dirigé par ses propres salariés. Je peux faire un petit stop et puis je reviens dans 5 minutes. Toi, tu t'en branles pas une, hein ? Oh, tu vois le travail ? Vas-y, vas-y. Pour l'instant, tu rigoles. Je dis dans 5 minutes, tu vas moins rigoler. Waouh ! Ah, ça tue ! C'est pas muscleur, le mec, hein. Tu pars un peu dans tous les sens. Certaines situations vont déstabiliser le patron incognito. C'est un « on », moi j'ai rien à savoir, les gros bras qui savent que ça fait 5 ans que je suis là, que je fais en sorte pour que ça soit bien, tu vois. Ça m'a un peu gêné, parce que, quelque part, le décisionnaire, c'est quand même moi. Et parfois, il ne sera pas à la hauteur de ses propres exigences. Arrivé, je découvre un petit peu. Hein. Il faut que je gère Didier. Ce jour, j'en peux plus. Vous êtes prêts pour du gros son ? Mais avant tout, il va découvrir le quotidien des personnes qui chaque jour font sa société. Tu peux pas aller, je sais pas, l'hiver bosser. Mais j'ai voulu partir ailleurs. Très très loin, j'ai voulu me barrer très très loin. Moi j'ai ma fille, je peux pas me permettre. Avec la petite, tu peux pas. Le fait d'être proche de sa fille, c'est plus important que tout, ce que je comprends complètement. En tant que père, je pourrais pas imaginer vivre loin de mes enfants. Et à la fin de l'expérience, il va leur révéler sa véritable identité. Bonjour David. Ça va bien ? Est-ce que tu me reconnais ? Mais oui. Tu sais qui je suis ? Didier. Je suis Jérôme Faucheur, le directeur général de l'entreprise. Mais je ne suis pas Didier Bournin, le stagiaire en formation. Comment ces salariés vont-ils réagir en réalisant que c'était le grand patron ? Oh non. Est-ce qu'on continue à se tutoyer ? C'est vous qui voyez, monsieur le directeur. Cette expérience va-t-elle changer leur quotidien et quel sera l'impact sur l'entreprise ? À peine 40 ans, Jérôme Faucheur est le directeur général des Camping Villages Omer Vacances. Cette société, c'est 75 millions d'euros de chiffre d'affaires, 126 campings, 8700 mobilhomes, 900 salariés. Une entreprise devenue en 2014 leader européen des séjours en mobilhome. Si aujourd'hui on a une position de leader, cette position elle est très fragile finalement. Donc on est obligé toujours de mettre le client au centre de nos préoccupations. Si une année on a un niveau de qualité qui se dégrade, forcément, on le paiera l'année d'après. Être numéro un, c'est bien. Le rester, c'est très important aussi. Le succès de cette entreprise, fondée en 1989, repose sur un concept novateur. Proposer des vacances en mobilhome, tout confort et adapté à la vie familiale dans des campings-villages implantés en bord de mer ou à la campagne. Les clients doivent en avoir pour leur argent, donc il n'y a pas de chichi en fait. L'esprit camping, c'est des vacances sans chichi, mais des vacances réussies. Jérôme Faucheur est un patron ambitieux. Après avoir fait de hautes études en école de commerce, il intègre Omer, il y a 7 ans, en tant que directeur marketing et commercial. Une société à taille humaine qui correspond à ses attentes professionnelles. J'ai au début de ma carrière eu un parcours plutôt classique, dans des grosses entreprises. Et je me suis assez vite rendu compte que j'avais pas forcément d'impact sur les choses. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont fait confiance et j'ai vu que je pourrais avoir beaucoup plus de responsabilités dans une société plus petite. C'est en 2014, alors qu'il n'a que 39 ans, que Jérôme Faucheur est nommé directeur général de l'entreprise par Alain Calmet, le président du directoire.
Eh ben pour ta première année de directeur général, ça commence bien quand même. J'étais sûr que tu allais y arriver. Hein. Ouais. Mais c'est mieux quand on voit que c'est fait. Voilà. Ouais, bien sûr. Puis la saison démarre bien, c'est sympa. Jérôme, il représente une nouvelle étape de la vie de la société. C'est très important d'avoir quelqu'un comme lui qui la porte avec dynamisme, quelqu'un de jeune, d'engagé sur la marque et avec les collaborateurs. Et ça, les gens le sentent en fait. Jérôme Faucheur n'est pas seulement dirigeant d'entreprise, il est aussi un chef de famille. Marié depuis 11 ans avec Claire, il vit la moitié de la semaine à Aix-en-Provence, où se situe le siège de son entreprise, et l'autre moitié à Paris, où il vit avec sa femme et ses trois enfants. Un rythme soutenu rendu possible grâce à l'amour de son cocon familial. Ma femme m'a vraiment soutenu dans le fait de rejoindre cette société il y a 7 ans. Il y avait des choix de vie importants et ça a impliqué le fait de m'absenter de la maison pendant la moitié de la semaine. Donc aujourd'hui, c'est une très grande fierté pour moi d'être le directeur général de la société. Mais je lui dois énormément et si je suis arrivé là, c'est grâce à elle. Comment ça va? Bien. Ça va? D'avoir la chance de pouvoir travailler 2 jours par semaine à la maison, je trouve que c'est super parce que je passe beaucoup de temps avec eux. Vas-y. Comment ça s'appelle ça, Doudoute? Le frippi. Directeur général depuis 1 an, Jérôme Faucheur ressent le besoin d'aller sur le terrain pour connaître le quotidien de ses collaborateurs et tenter de fidéliser la clientèle. J'ai aujourd'hui un taux de fidélité qui avoisine les 25%. Ça veut dire que chaque année, je suis obligé d'aller conquérir 75% de nouveaux clients. C'est de ma responsabilité et c'est vraiment pour ça que je veux aller absolument sur les campings. Donc je vais aller découvrir ça et c'est très important pour moi. Jérôme Faucheur se rend à Aix-en-Provence, au siège social de l'enseigne. Il a convoqué les membres du comité de direction pour les informer de sa décision. Philippe, directeur administratif et financier du groupe. Benoît, directeur des opérations. Nora, responsable des ressources humaines. Et Grégory, responsable du marketing. Bonjour. Salut. Régulièrement, ils se réunissent pour définir les stratégies de l'entreprise. Mais aujourd'hui, ce comité de direction est réuni à titre exceptionnel. Comme vous le savez, on est aujourd'hui les leaders européens du secteur et du camping. C'est une vraie fierté, mais c'est aussi une grande responsabilité à la fois économique et surtout humaine. C'est pour ça que je reçois aujourd'hui le besoin de sortir de mon bureau. Du coup, j'ai pris une décision importante. Je vais passer une semaine incognito sur nos campings auprès de nos équipes. Donc je vais travailler à différents postes. Pour moi, qui ai toujours travaillé au siège, c'est vraiment une occasion unique en fait de s'immerger au sein de nos équipes. C'est une très bonne initiative, une bonne surprise, je pense, pour l'ensemble des personnes qui étaient autour de la table, parce qu'on a souvent l'impression d'être excentré en étant au siège et de ne pas comprendre en fait les problématiques qui vivent sur le terrain. Donc là, ça va être une bonne chose. Qu'est-ce que tu espères trouver, toi, là-bas? Moi, j'attends aussi de rencontrer des individus. Bien sûr. Il y a des hommes, des femmes qui travaillent chez nous. Les gens ne sont pas des numéros, donc ce sera très intéressant d'avoir un relais local. Et puis, je pense que ça crée aussi quelque chose de particulier. Je pense que ces collaborateurs-là, demain, après-demain, quand je les reverrai, il y aura quelque chose de particulier entre nous et finalement c'est ça qui est chouette aussi. D'accord. Jérôme va être bousculé un petit peu et il va découvrir ce que vivent au quotidien nos équipes. Il va avoir envie d'intervenir, il va avoir envie de prendre le dessus sur certaines situations et donc il va falloir qu'il apprenne à se contenir pour pouvoir continuer cette semaine incognito. Le but de cette expérience, c'est de pouvoir constater avec mes yeux des points peut-être de détail mais qui ont leur importance. Tu pars quand? Je pars demain, je sais pas très bien où je vais aller encore, c'est la surprise, mais je suis à la fois très excité par cette expérience et en même temps un petit peu anxieux, parce que je me mets un petit peu en risque. D'ici là, je vous demande vraiment de garder une confidentialité totale sur le sujet, parce que de cette confidentialité dépend complètement le succès de l'expérience. Je vous donne rendez-vous dans une semaine. Et entendu. Puis je pense que j'aurai beaucoup, beaucoup de choses à vous raconter. Mmh. Merci bien beaucoup. Bon courage à toi. Merci. Bon courage. Merci. C'est le début de l'expérience pour Jérôme Faucheur. Avec l'aide de la production et de Victoria, conseillère en images, il va tenter de changer un maximum son apparence. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Ça va? Oui, et vous? Très bien. Le directeur général de l'entreprise spécialiste des vacances en mobilhome va abandonner son costume de directeur. Donc, on a décidé de vous faire un look plus jeune. Mm-hmm. On va casser votre image de directeur général.
avec des sweats à capuche, des t-shirts imprimés, style skater. Super. Mais d'accord. Avec des baskets aussi. On va commencer par le rasage, donc on se rejoint tout de suite après. Ok, merci, à tout à l'heure. De rien. Pour les besoins de l'expérience, cela fait plusieurs semaines que Jérôme Faucheur se laisse pousser la barbe. Une transformation qui l'aidera à passer incognito auprès de ses salariés. Et maintenant, vous pouvez aller vous changer. Donc ça en bas, ça pour le haut. Et bien sûr, les accessoires, les bracelets. Pour cette immersion au sein de sa propre société, le directeur général va abandonner ses effets personnels et changer d'identité. Je vous invite à vous retourner. Alors, vos impressions ? Ah bah, le cheveu est soyeux. Oh là là, au revoir le costard. Vous me croyez si je vous dis que j'étais comme ça il y a 15 ans ? Pourquoi pas ? Non, c'est pas vrai. Jérôme Faucheur s'appelle désormais Didier Bournin, trentenaire, célibataire. Fan de skateboard, il est à la recherche d'un nouvel emploi en tant que travailleur saisonnier. Il est temps pour lui de se rendre dans les Landes afin de mener à bien son immersion pendant plusieurs jours. C'est le premier jour de formation pour notre patron incognito. Le directeur général s'est installé dans un hôtel pour mener à bien son immersion parmi ses collaborateurs. Et ce n'est pas sans stress que Jérôme Faucheur débute cette expérience. Ce matin, je rencontre mon premier formateur, donc j'ai très hâte de le rencontrer, mais en même temps, forcément, je suis un peu anxieux de savoir si je vais être à la hauteur. Il est 10h, l'heure pour notre patron d'endosser la personnalité de Didier, le personnage qu'il s'est inventé pour ne pas être démasqué par ses collaborateurs. Didier est chaud bouillant pour son immersion. 11h, Jérôme Faucheur va prendre la route pour rejoindre son premier formateur à une centaine de kilomètres de son hôtel. C'est par un temps ensoleillé que notre patron incognito se rend à l'ITMX, dans les Landes, où il est attendu par un de ses salariés qui exerce le métier d'animateur. L'animation, c'est un poste vraiment clé pour la satisfaction des clients. Mais jusqu'à présent, on a toujours confié cette mission à des intervenants extérieurs. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a jamais construit une véritable expérience sur le sujet. Du coup, cette année, j'ai décidé de faire un test en recrutant nous-mêmes nos propres animateurs. Et aujourd'hui, je vais aller rencontrer l'un d'entre eux. C'est donc un enjeu de taille que représente cette immersion. L'animation est une fonction essentielle dans les campings de Jérôme Faucheur. Ce sont des femmes et des hommes généralement jeunes, au profil dynamique, et qui sont titulaires pour la plupart du BAFA, le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Saisonniers, les animateurs ont pour mission de veiller au bien-être de la clientèle des sites, qu'ils soient adultes ou enfants, en leur proposant plusieurs activités différentes par jour, qu'elles soient sportives ou culturelles. Leur rôle, satisfaire, divertir et fidéliser la clientèle du camping. Avec une journée de repos par semaine, ils sont payés 1 457 € brut par mois. Un animateur qui arrive à faire passer de bonnes vacances à nos clients, il va donner envie à ses clients de revenir l'année d'après. Il est bientôt 15h et après plusieurs heures de route, Jérôme Faucheur, alias Didier Bournin, va se présenter à la réception du camping de l'ITMX. La saison venant juste de commencer, le site comprend actuellement 227 clients, dont 88 enfants. Accueilli par Marc, le directeur du site et notre complice, il va retrouver Simon, son formateur pour la journée, actuellement en pleine activité sportive. Je te présente Didier, donc, qui est stagiaire au niveau de l'animation. Ouais, enchanté Didier. Bonjour, et ça va? Donc il va passer l'après-midi avec toi. Ouais. Quoi? Ok, ça marche. D'accord. Parce que j'ai été prévenu. À 24 ans, Simon est encore en pleine formation. Il est le premier animateur employé en alternance par l'entreprise qui, jusqu'ici, passait par un prestataire extérieur. Il exerce ce métier tout nouveau pour lui depuis seulement 3 jours. Moi, j'ai besoin de ça, en fait. Mon corps a besoin de vibrer tout le temps. Et donc, du coup, j'ai pas hésité, j'ai choisi l'animation. Un métier qui correspond à sa personnalité. Pour faire ce job, il faut être relax. Il faut être moi, quelqu'un qui se prend pas la tête, quelqu'un qui a la joie de vivre, quoi. Parce que les gens sont venus pour faire des vacances. Donc moi, je suis là pour les contenter, les proposer des trucs, les rencontrer, voilà, toujours avec le sourire. De nature plutôt calme, le jeune homme s'illumine lorsu'il évoque sa passion pour le ballon rond. Ouh, je suis un passionné du foot, moi. J'adore le foot. Et j'ai le Cameroun qui est mon pays. Pas mal. Donc là-bas, depuis tout petit, 3 ans, on a commencé au foot. Donc c'est un truc qui est... C'est dans les gènes, en fait.
Afin de préserver la véritable identité du patron incognito, Simon pense participer à un documentaire sur le monde du camping. Il ignore totalement que son stagiaire n'est autre que son directeur général. 15h30, pas de temps à perdre. Aujourd'hui, Simon a organisé un match de football. Nous sommes en début de saison, il fait beau, et alors que la plupart des clients sont à la piscine, quelques garçons se sont présentés à l'activité. L'animateur va proposer à son stagiaire d'un jour de rejoindre la partie. Tu veux jouer ? Ouais, mais ça craint pas si on est, si on est un nombre impair ? Vous êtes deux, hein. Vous êtes quatre. Hein. Ah, toi, tu joues pas ? Non, moi, je joue pas. Ah. Hein ? Je compte sur toi, merci. Allez, c'est parti ! Simon va profiter d'avoir un assistant pour le laisser jouer à sa place. Allez, hop là ! Quelle passe ! Ah ! Il fait 30 degrés sous un soleil de plomb. Oh là là. Oh, elle est belle. Alors qu'il transpire depuis de longues minutes, Jérôme Faucheur va constater un premier problème de taille. Ah ouais, attends, on boit quand là ? On a joué au foot en plein soleil. J'ai été très surpris de voir que il n'y avait pas d'eau en fait sur le terrain. Ça c'est grave. Ça tape, hein. Jouer avec des enfants en plein soleil, sans eau à proximité, est un manquement grave aux règles de sécurité liées au métier de l'animation. Un enfant qui a soif, qui ressent la soif, ça fait déjà très longtemps que son corps a soif et qu'il est en manque d'hydratation. Il fallait pas attendre qu'un enfant lève la main. Tu veux ma mort ? Pour profiter, hein ? Hein ? Justement, j'aimerais bien profiter et pas faire une crise cardiaque tout de suite. Une autre règle essentielle semble avoir été oubliée par l'animateur. Volontairement devant lui, Jérôme Faucheur va en faire la remarque. T'as mis de la crème un peu ? Ouais. Pas toi ? Ah ! Simon, ça craint ou pas s'il a pas de... s'il a pas de crème ? Faudrait qu'il ait une crème. Tu n'as pas ramené ta crème ? Bah t'en as mis un peu déjà tout à l'heure, non ? Ou pas du tout ? Faire jouer des gamins pendant une heure en plein soleil par 30 degrés, sans eau et sans crème solaire, c'est grave parce que quand on s'occupe d'enfants, quand on accueille des enfants, c'est une condition sine qua non. Ouais. Il y a un gamin qui a oublié sa crème. Est-ce que c'est possible d'avoir une crème au bureau ? Putain, pour un premier jour, c'est insupportable. Si notre patron incognito n'avait pas souligné ce manquement aux règles de sécurité, Simon n'aurait certainement pas corrigé le tir. Stop, hein. L'activité sportive va pouvoir se poursuivre maintenant dans de bonnes conditions. Si ce n'est à un détail près. Le jeune homme manque d'implication alors qu'il est pourtant fan de ballon rond. Ça fait partie de son job. C'est quelque chose qu'il aurait pu faire spontanément, je trouve. Moi, je pense qu'en plus, c'est un truc qu'il adore, donc c'est un peu dommage. Moi, je suis quelqu'un de relax. Je pense que j'essaie de faire mon travail du mieux. Je suis tout à fait naturel. J'applique ce que j'ai pu faire en formation, donc je le fais comme ça. Fin du match. Combien ? 5. Combien ? 4. C'est déçu par le manque d'investissement de son animateur que Jérôme Faucheur termine cette partie de football. Mais les activités doivent se poursuivre. Direction la piscine pour notre duo du jour qui va aller à la rencontre des vacanciers et tenter de les sensibiliser au programme prévu par Simon. Promouvoir les activités du site fait partie de ses tâches. Ce que j'aime dans mon métier, c'est justement d'amener les gens à s'amuser. En fait, avoir le résultat, en fait. Quand j'ai le résultat, les gens ils sont contents, les gens s'amusent. Ça me fait plaisir. Tous les matins, je fais une activité fitness. Donc, bon, comme je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas... informés. Oui, qui n'étaient pas informés, malgré que, bon, on avait mis... Ah oui, on n'a pas lu. Ouais, donc, j'essaie un peu de passer de mobilhome en mobilhome. Oui. Si je ne trouve pas, je viens aussi comme ça... C'est bien. À la piscine, informer les gens. Ça vous intéresserait de venir à l'apéro ce soir ? On fait quelques activités. Hein ? Ça serait cool. Ça manquait un peu de peps, en fait. On avait un peu tendance à se planter devant eux, comme ça, en leur disant « ce soir, il y a un truc ». Ça faisait plus « je vous délivre une information » plutôt que « j'essaye de jouer un peu, de vous donner envie, de faire une petite blague, tout ça ». Il lui manque un peu ce côté géo, à l'aise avec les gens, finalement.
Donc on passe comme tout le bonjour. Monde là, pour informer qu'il y aura apéro ce soir. D'accord. À 7h. Ça bah, à la salle TV. C'est où ça? À la TV. À la salle TV, ouais. Les vacanciers semblent mollement intéressés par l'activité de ce soir. Notre directeur général est contrarié car il sait pertinemment que la promotion des animations revêt une importance capitale pour la fidélisation des clients. Un animateur qui fait bien son métier, qui crée vraiment du lien avec le client, c'est un vrai enjeu économique. Ça fera revenir les clients l'année suivante. Ça fera en sorte que ses clients en parlent à leurs proches et du coup, il y a un vrai impact en termes de chiffre d'affaires pour l'année suivante. Il est 18h et les deux animateurs vont devoir préparer la soirée apéro qui débute dans une heure. Jérôme Faucheur va profiter du trajet pour en savoir plus sur le jeune homme qu'il juge nonchalant. Bonjour. Bonjour. En fait, tu la connais tout le monde, toi, au bout d'un moment. Ouais, ben oui. Comme ça, au moins, ça, voilà, tu sais qu'il faut partager sa bonne humeur, quoi. D'ailleurs, ça te plaît? Ouais. Très bien. Ça me plairait plus si les gens participaient, si les gens venaient plus nombreux, quoi, aux activités. Je l'ai trouvé très attentiste pour un animateur dont le métier est par essence extrêmement actif. J'ai trouvé qu'il manquait un peu de peps. L'animation du soir débute dans une demi-heure à peine. Encore une fois, notre patron va être témoin du manque de savoir-faire et d'entrain de Simon, ce qui va le laisser de nouveau perplexe. Comment on l'organise? Il regarde de quel côté les gens? Tu bar, mets tout le monde en rondognon, tu fais un cercle? Du côté du bar, non? Ou en cercle, ou je sais pas, ou en quinconce. Hein. Non, mais, ou en ligne. Comment tu fais d'habitude, là? Moi, d'habitude, j'ai jamais fait ça. T'as jamais fait? Non. Comment est-ce qu'on dispose les chaises? Est-ce qu'on les met en rondognon comme dans une salle de classe? Est-ce qu'on fait un cercle? Je posais la question 3 fois, il ne me répondait pas. Je trouvais ça complètement surréaliste. Il est quelle heure, là? Il est moins 15. Moins 15? Ouais. Là, on est chaud, là? Ah? On est chaud! Les vacanciers sont censés arriver dans moins de 15 minutes, ce qui n'est pas sans stress pour le dirigeant sous couverture qui va de déception en déception. Il faut des piles, hein? T'as pas de pile? Non. Ils vont m'entendre. Hein. Ça, c'est ton matos à toi ou c'est au camping? Oui, tout ça, c'est au camping. C'est au camping? Ouais. J'étais inquiet, anxieux. Je serais animateur avec un jeu à faire à 7 heures. Je pense que j'aurais vérifié depuis bien longtemps qu'il y avait des piles dans le micro. Ah ouais, tu mets sur ton téléphone? Voilà. Je sais pas comment ça fonctionne. Ah, mais là t'as de la musique, là? Ouais. Et y a pas le son? Non. Impossible d'avoir du son, et là, c'est pas acceptable. 18h55, plus que 5 minutes avant l'arrivée des clients, et rien ne fonctionne. Face à la passivité de son animateur, le patron incognito sort de son rôle de stagiaire et s'évertue à trouver des solutions. Tu veux pas aller chercher Marc, là? Qu'est-ce qui connaît le matos, là? Je sais même pas si le même connaît le matos du matériel. Hein. On est mal, là, non? On va passer pour des idiots, là. Je vais aller le chercher, non? Ouais. Comme ça, moi, je me prépare vite à faire autre chose. Bah ouais. Encore une fois, c'est le patron qui prend les choses en main. C'est fermé. Ah, on est mal. On est mal. Pas de musique. Matos pas testé avant. Matériel pas testé avant. On est mal. Pour moi, il y a eu un gros flottement autour de ce jeu apéro. Et je trouve que c'est pas du tout au niveau de notre ambition. Il est 19h. Devant l'insistance de son stagiaire, Simon se décide à téléphoner au directeur du site pour signaler le problème. La musique, j'arrive pas à jouer la musique dans le combo. Hein. J'arrive pas à faire jouer de la musique, là. C'était un peu le scénario catastrophe. Impossible de mettre de la musique. Les chaises sont tout juste disposées. On sent que si on lui souffle l'idée, il se dit « je peux pas ». Bon, ça manque un peu de leadership, de personnalité, de peps. Grâce à l'insistance de Didier et au coup de fil de Simon, le directeur du camping arrive à la rescousse afin de pouvoir commencer la soirée au plus vite. Ah ben voilà, hey. Merveilleux. Le directeur du camping est venu et a réussi à faire marcher la sono, heureusement, mais il y avait toujours personne. Et comment tu fais si t'es tout seul pour aller chercher du monde ou Bah, je vais aller la chercher. Hein. Je veux que j'aille chercher un peu? Ouais, s'il te plaît. Ok. Ouais. À toutes. À toutes, ouais. 19h10. Aucun client ne s'étant présenté, le patron sous couverture va pour la 3e fois de la journée prendre des initiatives,
bien décidé à sauver cette soirée apéro qui vire au fiasco. Oups, sans interdit. Voilà. Et si le directeur général tient tant à ce que cette animation soit réussie, c'est qu'il sait que la satisfaction du client peut avoir un impact direct sur le chiffre d'affaires à long terme. On doit tout faire pour satisfaire le client. D'une part, parce qu'on lui a vendu une prestation et qu'on se doit de délivrer cette prestation. Mais en plus, un client satisfait, c'est un client qui reviendra l'année d'après et qui en parlera à ses proches, à ses amis. Donc, c'est doublement important. Alors que Jérôme Faucheur fait de son mieux pour faire venir les vacanciers, Simon, lui, s'occupe comme il peut. Vous avez appelé SOS Apéro ? Ah oui, il paraît bien. Ah bah oui, il y a jeu apéro. Venez. Bonsoir. Est-ce que vous voulez venir prendre l'apéro avec nous ? Oui, on va venir. Ah, le jeu apéro. Non mais passez chez vous, prenez votre petite douche et puis on vous attend. A tout de suite. Vous venez au jeu apéro ? Oui, on arrive. Ben voilà, merveilleux. En fait, je savais que vous étiez là. Bon, vous, c'est pas la peine de vous proposer de venir, je sais déjà que vous venez. Voilà. Mission réussie pour notre patron incognito. Grâce à lui, une trentaine de vacanciers sont venus assister à l'animation du soir. Satisfait, il se détend enfin. Hé hey, regarde-moi ça. Ah, c'est bien. Franchement, toi, je vais te recruter. Ah bah ouais. Mais pas pour longtemps. Ah, jusqu'à temps. Oh. Oh là là, dommage. On ne bouge plus. On respire plus. Soufflez. Lancer de balles de ping-pong. Puis, lancer de chapeau. Jérôme Faucheur ne s'attendait pas à ça. Vache. Putain, c'est relou, truc. Donc j'ai passé un peu un quart d'heure un peu désœuvré. Je vous en prie. Ça manque un peu de la griffe de la société. Je pense que là, on peut vraiment en faire plus. Et donc, c'était sympa. C'est un passage obligé, mais c'était un peu plan-plan. Et en tout cas, ça suffit pas. L'ambiance n'est pas du goût de Jérôme Faucheur. Les jeux proposés par Simon manquent cruellement de dynamisme. Pourtant, selon les procédures mises en place par le directeur général, l'animateur est censé proposer aux clients des activités variées et créatives. Il a 24 ans, je pense qu'à 24 ans, on joue pas uniquement au jeu du chapeau. J'ai trouvé ça un peu dommage. Pour la énième fois de la journée, Jérôme Faucheur va prendre les choses en main. Avec pour fer de lance la satisfaction du client, il va à son tour proposer une activité plus dynamique à son goût. Est-ce que vous voulez faire un blind test après ? Oui. Ouais ? Bon, je vais chercher ça. Un blind test, une compétition musicale où il faut trouver le titre d'une chanson ou son interprète le plus rapidement possible. Vous êtes prêts pour du gros son ? Oui. Attention. Tout le monde là c'est tout le monde. Maintenant, faut danser pour avoir 2 points. Voilà. C'est bien ça. Elle court, elle court, la maladie. Didier avait un bon contact avec les gens. Il a bien géré, quoi, en fait. Il a fait ce qu'il fallait. Et les gens, ils ont adoré. Bon, comme vous m'êtes sympathique, je vais envoyer un truc que les enfants vont jamais trouver. Voilà. Débarquez-moi. Oh la vache. Oh, il y a du niveau, là. Bravo. Il y a du niveau. On va quand même l'écouter un peu, parce que... Grâce au patron incognito, le blind test remporte un franc succès auprès de la clientèle. Les tubes s'enchaînent pour les grands comme pour les petits. Ah! Il a sa place dans les Landes. Et il sait prendre les choses en main, il est assez autonome. Ça, c'est les qualités d'un animateur. Ce que je voulais montrer à Simon, c'est qu'il faut qu'il prenne confiance en lui et qu'il se laisse aller. Je pense que c'est un garçon qui a plein d'idées. Il faut juste qu'il se fasse beaucoup plus confiance. Ah ! Bravo ! Le jeu est terminé. Mais les clients ont du mal à rejoindre leur mobile home. Jérôme Faucheur va tester une dernière fois son collaborateur en lui proposant de poursuivre la soirée. Là ils vont se barrer. Là. Ouais. On les retient là ? Non, on les laisse partir. On les laisse partir ? Ouais. C'est mieux, non ? Ouais. Mais je sais pas trop. Ok. Toi qui me dis ? On ne brusque pas les vacanciers, quoi. On les informe, ils ont compris, ils viennent, ils participent. Ok. Après, quand ils s'en vont, ils s'en vont. Bon allez, merci beaucoup. Je lui dis, mais vas-y, continue si tu veux, on a le temps. Les gens sont en vacances. Et puis finalement, il m'a dit non, on arrête.
Il est 21h, Jérôme Faucheur va maintenant quitter son formateur, déçu par le constat de cette première journée d'immersion. Bon, merci beaucoup en tout cas. Bah écoute, c'est un plaisir qui est vraiment partagé. Hein. Et j'espère que tu reviendras la prochaine fois. Bah ouais. Si l'occasion se présente. Hein. Ouais, on branchera les baffles. Ça marche. On fera un autre blind test. Ok. Merci allez, beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Allez. Salut, bonne ciao. Saison. Bonne saison à toi. Ciao. Merci. Et si elle a été difficile à vivre pour lui, l'expérience a été riche en enseignements pour Jérôme Faucheur. Il a pris conscience d'un manquement important au sein de l'entreprise. L'animation, c'est un vrai métier. Ça ne s'improvise pas. Pour aller plus loin dans cette voie, il faut vraiment qu'on ait des animateurs de super niveau. C'est quand même un des critères principaux qui font que les gens reviennent d'une année sur l'autre sur un camping. Donc, ne pas maîtriser complètement ça, ça nous fait prendre un gros risque. Cette immersion m'a permis de voir que c'est une vraie richesse qui nous manque aujourd'hui et que moi, je voudrais vraiment qu'on développe. Fin de la première journée pour notre patron incognito qui a su préserver sa couverture tout en trouvant des réponses à ses questions. Mais rien n'est joué. Une nouvelle journée d'immersion attend le directeur général et chaque jour réserve son lot de surprises. C'est le deuxième jour de formation pour Jérôme Faucheur. Le directeur général d'une entreprise leader en France de vacances en mobilhome s'est installé dans un hôtel pour vivre, durant plusieurs jours, une immersion incognito auprès des collaborateurs de sa société. Aujourd'hui, Jérôme Faucheur se rend dans l'un de ses campings, à Mirepécé, dans la campagne languedocienne, rencontrer l'un de ses salariés saisonniers. Aujourd'hui, je vais rencontrer un de nos saisonniers. Les saisonniers, on en recrute plusieurs centaines par saison pour accueillir tous nos clients. Donc, je vais discuter avec lui pour essayer d'en savoir plus sur ce statut très particulier. L'activité des campings est concentrée durant la période estivale. De ce fait, 80% des collaborateurs de la société de Jérôme Faucheur sont des travailleurs saisonniers payés au SMIC. Un statut précaire, mais nécessaire pour que des milliers de clients puissent profiter pleinement de leurs vacances. Parmi les saisonniers qui viennent chez nous, il y en a plus de la moitié qui reviennent l'année suivante. Mais en même temps, ça veut dire que chaque année, il y a 50% de personnes qui sont nouvelles dans l'entreprise. Donc c'est absolument clé de les former. Et justement, le fait pour moi d'aller rencontrer des collaborateurs qui sont des saisonniers, ça me permettra de voir directement comment on se positionne par rapport à eux. Il est 10h et notre patron incognito va rencontrer aujourd'hui David, technicien polyvalent. C'est Brigitte, la directrice du site, qui va les présenter. Bonjour. David. Salut David. Je te présente Didier, voilà. Bonjour. Donc ben voilà, tu vas lui montrer tout ce que tu veux. Faut que je te fasse voir les choses. Voilà. Ok, ça roule. Moi j'ai commencé déjà, je vais trop faire voir un peu comment ça se passe. Allez, bonne journée. Merci beaucoup. Entre de bonnes merci. Mains. Dès que j'ai vu David, j'ai vu quelqu'un en face de moi de hyper accueillant, très souriant et qui m'a tout de suite mis en confiance. À bientôt 40 ans, David est technicien polyvalent au camping de Mirepécé. Ses fonctions sont variées. Entretien des mobilhomes, des espaces verts et du parc aquatique. Des fonctions diverses qui collent tout à fait à sa personnalité. Je crois que je suis calme comme ça, mais après, intérieurement, j'ai besoin de me défouler. Quoi. Donc moi, plus ça va être dur, mieux ça va me plaire en fait. C'est peut-être bête à dire, mais moi, me la couler douce, c'est pas fait pour moi. Depuis 5 ans, David est travailleur saisonnier au camping. Chaque année, il revient exercer son métier durant la période d'activité et gagne 1 482 € brut par mois. Papa d'une petite fille de 9 ans, cet ancien soudeur d'origine normande ne cache pas aspirer à plus de stabilité. Moi j'ai ma fille qui a 9 ans et tout, j'ai 40 ans. Il serait peut-être temps qu'il m'arrive quelque chose un peu de bien. Ma priorité c'est ma fille, je me bats pour elle. Il est temps pour notre duo d'un jour de se mettre au travail. David va comme chaque matin veiller à l'entretien régulier des mobilhomes. Accompagnés de Didier, ils vont alors effectuer diverses réparations, de la robinetterie et du bricolage. Ah, celle-là, c'est la bonne. C'est la bonne ? Ouais. Bon, ok. Il faut une petite à un petit culot alors. Ouais. Bon, bah, je vais te chercher ça. Un planning qui varie quotidiennement en fonction de la vie du camping, qui accueille en ce moment 62 clients. Donc là, on va aller au 59. Il y a une ampoule à changer. Mmh. Et il y a une fuite robinet de l'évier. Mais lors de cette intervention banale, David sait qu'il lui manque un outil indispensable dans le local technique. Le patron incognito va être témoin de ce problème de matériel. Par contre, il faut des outils, j'ai pas d'outils. Si t'as pas d'outils, c'est un peu dur de bosser là. Catastrophe. On avait un robinet à changer. Du coup, on a été au local technique chercher ses outils. Et là, pas de trousse à outils. Oui, Hervé.
Ouais, parce que là, je peux pas bosser, alors ça craint, quoi, ça craint. Et, ah, mais t'es pas chez toi, en plus. T'es pas au camping, là, t'es chez toi. Et vous avez même pas une bonne caisse mais à outils. Le problème, c'est que la caisse à outils, il l'a embarqué pour chez lui. Ah. C'est un collègue qui l'a pris, parce qu'il était de repos cet après-midi, comme je lui dis que je taillais les haies, il a pris des outils que, en fait, j'aurais dû avoir besoin. Forcément, si la caisse à outils est chez un des techniciens, c'est un peu compliqué de bosser. Qu'un employé prenne, pendant une journée de travail, l'intégralité de la trousse à outils, ça me choque énormément parce que son collègue est pénalisé. Qu'on a besoin. On a le droit d'embarquer la trousse à outils pour chez soi. Mais non, mais en plus, il croyait qu'on allait faire de l'espace vert aujourd'hui. Enfin, de toute façon, espace vert ou pas, s'il y a une urgence... Il a fallu que je m'arrête. La trousse à outils reste toujours sur le camping, non? Mais... C'est bizarre quand même, non? C'est pas acceptable de pas avoir les outils sous la main, c'est tout. Un incident qui pourrait avoir des conséquences importantes pour la société de Jérôme Faucheur en cas d'urgence. David va alors effectuer la réparation, tant bien que mal, avec une vieille clé anglaise. C'est vrai que robinet, c'est pas plus facile à faire, tu vois, c'est... Bah, le truc, c'est que... Avec une pince comme ça, c'est... Pas... Bah, t'as tout compris, quoi. Le directeur général va à son tour s'improviser plombier, un métier qui est très éloigné de ses fonctions habituelles. Positionne-le bien. Hein, que c'est galère, mine de rien. Ouais, c'est galère. Alors, ça va qu'il fait bon. Imagine que t'es dans le mobilhome qui fait 40 degrés. Donc ça, c'est bon. Et t'as bien vérifié tes tuyaux, s'ils étaient bien serrés? Bah, je les ai pas serrés comme un dingue. Non, pas trop. Bon, bah, je vais rallumer. Attends, je vais rallumer l'eau. Vas-y, allume la flotte. Hop, ouvre l'eau. On va voir s'il crie ou pas. Eh ben, t'as travaillé comme un chef, Didier. Ah oh. Un pari gagné pour Jérôme Faucheur qui a pu découvrir, grâce à cette intervention, l'une des facettes du métier de technicien polyvalent. Bien, t'as bien bossé. Hein. Tu vas prendre ma place dans pas longtemps, toi. Je lui dis, bah, ça continue comme ça, tu vas finir par la prendre, ma place. Donc je pense que, bon, il savait que je rigolais, mais ça fait toujours du bien d'entendre des choses comme ça. Il est 11h, l'heure de se rendre à la piscine pour l'entretien quotidien. Mais sur le trajet, Didier va être témoin d'une chose qui le dérange fortement. C'est quoi les trucs qui traînent là? Donc, on va les récupérer, on va les installer. Ouais. Elles n'ont pas été installées parce que vous aviez pas eu le temps Parce qu'on n'a pas le temps de tout faire. Enfin, tout se fait, mais on s'entend, quoi. Ouais, ouais. On ne peut pas tout faire non plus d'un coup. Ouais. Mmh. Si Jérôme Faucheur tient tant à la propreté du camping, ce n'est pas sans raison. Il sait que l'image de la marque en dépend. Passer dans des allées et voir des lavabos qui sont stockés par terre, je trouve que c'est un peu dérangeant. Voilà. C'est pas acceptable de montrer ça aux clients. Par la suite, comme tous les matins, David s'occupe de l'entretien de la piscine. La piscine, c'est un élément clé dans le camping. Un camping sans piscine, c'est pas un camping. En tout cas, pas chez nous. Le duo de techniciens va alors, durant une bonne heure, nettoyer le bassin et le pédiluve. Le bras commence à travailler. 8 heures comme ça, je pense que je vais être fatigué ce soir. Ça tire sur les bras, ouais. Ah, c'est question d'habitude. Dans le job de technicien, il y a plein d'interventions qui nécessitent d'être réactif. Changer une bouteille de gaz, aller réparer une gazinière, aller changer un robinet. Il y a une vraie dimension technique, donc c'est un poste ultra, ultra important. David va profiter de ce travail en duo pour lui parler de sa vie en tant que travailleur saisonnier. En fait, moi, je suis sur Bise et là, je suis logé ici pour la saison. Et quand je me suis séparé de ma femme et tout, tralala, en fait, quand t'es saisonnier, en fait, t'as le droit de loger si t'as des mobilhomes pour les staffs. Pour le staff. Donc, c'est moi, je suis saisonnier. Ouais. Tu commences au début de la saison et puis. Et je finis fin septembre. Bon, voilà, pédiluve, c'est bon, c'est fait. Hop. Il est maintenant 12h30, l'heure de passer à table. Le patron incognito va en apprendre un peu plus sur son collaborateur qui loge dans un mobilhome sur le camping. Bon, voilà mon petit chez-moi. Donc ouais, après, elle est superposée pour ma fille, là, quand elle vient, ouais. Quand elle vient un jour sur deux, là. Donc elle est contente. Alors la plupart du temps, les gosses avec des superposés, ils s'éclatent. Tu veux que je t'aide à mettre la table? Ouais, ça roule. Tu veux qu'on bouge dehors ou à l'intérieur? Ah, oh, bon, remarque, on peut bouger dehors, non? Vas-y, on va dehors. C'est sympa, ouais. Pâte omelette. Très bien. Moi, truc simple et efficace. Il m'a invité à déjeuner. Il m'a fait découvrir son chez-lui. Et j'ai trouvé ça très très sympa de sa part. Bon, puis je te le souhaite que ça marche pour toi, sincèrement je te le souhaite. Hein. Mmh. Après je te dis, si j'avais bras un peu plus long, je t'aurais pistonné, mais malheureusement je peux pas. David se confie alors à son stagiaire d'un jour, saisonnier depuis 5 ans dans l'entreprise.
Il est en cruel manque de reconnaissance, une souffrance pour lui au quotidien. Et c'est, moi j'aimerais bien, c'est que voilà, parce que moi la patronne, elle sait que voilà, mais c'est en haut, moi j'aimerais bien savoir les gros bras qui savent que ça fait 5 ans que je suis là, que je fais en sorte pour que ça soit bien, tu vois. Alors j'aimerais bien qu'eux ils l'entendent un peu et puis qu'ils disent bon bah lui le jeune, quand même, au bout de 5 ans, il a fait ses preuves, c'est bon, on va lui faire signer un CDI, quoi. Ça m'a touché qu'il m'en parle et en même temps ça m'a un peu gêné parce que quelque part le décisionnaire, celui qui dit non, il n'y a pas de CDI pour David, c'est quand même moi. Un CDI, c'est bon, tu respires, tu dis c'est bon, soyez tranquille. Un CDD, tu sais jamais si tu vas reprendre l'année d'après, quoi. Avoir une vie un peu comme monsieur tout le monde, c'est ce que moi je recherche un peu. Comme après, moi l'hiver, je ne travaille pas, donc je me débrouille avec mon chômage. Et c'est vrai que voilà, on n'est jamais pris, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. En effet, David est embauché par la société de Jérôme Faucheur d'avril à fin septembre. Le reste du temps, il est au chômage ou doit trouver un autre travail. Une situation précaire pour ce papa d'une petite fille de 9 ans récemment séparée. Tu peux pas aller, l'hiver bosser. Mais j'ai voulu partir ailleurs. Très très loin. J'ai voulu me barrer très très loin. Moi j'ai ma fille, je peux pas me perdre. Avec la petite, tu peux pas. Ça m'a beaucoup touché en fait, qu'il me donne le dessous des cartes. Le fait d'être proche de sa fille, c'est plus important que tout, ce que je comprends complètement. Enfin, en tant que père, je pourrais pas imaginer vivre loin de mes enfants. 13h30. La pause déjeuner est terminée et le travail au camping peut reprendre et il n'est pas des moindres. David va sortir le taille-haies, machine indispensable pour effectuer la taille des dizaines de haies du camping. Toutes les parcelles sont délimitées avec des haies, mais c'est là, si on les entretient pas, ça ressemble vite à une jungle. Donc il est hyper, hyper, hyper important de régulièrement les tailler au carré. Avec plus de 1000 mètres de haies sur le site, cette tâche essentielle doit être effectuée régulièrement afin que le camping soit bien entretenu. Je vais prendre des gants. Il faut un truc aussi pour les yeux ou pas, ou il n'y a pas trop de risque? Non. Ouais, on va mettre des lunettes. C'est recommandé ou pas? Bah oui, en principe, logiquement, il faut mettre des lunettes, ouais. Ah oui, on t'embête pas aussi. On en a, je me disais aussi. On va faire ça bien. J'ai eu le sentiment que si j'avais pas mis le doigt sur le fait qu'il fallait porter des lunettes, David aurait fait ce qu'il a l'habitude de faire, c'est-à-dire il se protège un peu, mais pas suffisamment. David va alors lui montrer comment entretenir les haies avec cet engin que le directeur général n'a pas l'habitude de manier. En fait, tu vas sentir, au bout d'un moment, tu peux pas forcer. Là, regarde. Quand on passe le taille-haie, tout ça, ça va très vite, donc ça projette dans tous les sens. Je pense que ça fait hyper mal de prendre une branche dans l'œil. Ah, les bras là, ça tient grave. Bon, tu vois le travail? Ouais. Hey, c'est pas tout repos, je te le dis. Alors. Allez. Moi, j'avais déjà fait ça avec des cisailles, donc j'avais une toute petite expérience de la taille des haies. Et je me suis retrouvé avec cet outil dans les mains qui fait beaucoup de bruit, qui est très dangereux. C'est vrai que c'est lourd, hein? Je l'ai prévenu. Je dis, regarde, je dis, vas-y. Et pour l'instant, tu rigoles. Je dis, dans 5 minutes, tu vas moins rigoler. Et bah, au bout de 5 minutes, il rigolait moins. Waouh! Ah, ça tue! Oh, bordel! Ah, je te l'avais dit. Il faisait moins le mariole tout à l'heure. Quand je lui ai passé au début, il faisait le mariole et après, il faisait moins le mariole. Après, il a commencé à avoir mal à ses bras, ce que je savais très bien, puisqu'il est normal. Hein. Il n'est pas muscleur, le mec. Hein. Après plus d'une heure de taillage de haies, la seconde étape, couper celles qui sont en hauteur. David va alors proposer un objet quelque peu surprenant et peu sécurisant au patron. Ouais, je t'en galère, prends une chaise. Jamais t'es trop... Ouais, merci. Ça sent pas de casser la gueule. Ouais. Ça craint pas. Une chaise en plastique, c'est pas costaud. Je lui ai dit que j'étais pas très à l'aise avec ça. Je l'ai fait, mais franchement, je trouve que c'est pas un bon moyen de travailler. Je vais juste voir si je retrouve l'escabeau. Est-ce que je trouve pas, ça me prend la tête. Ouais. Son formateur va lui apporter un escabeau. Comme la chaise, celui-ci ne semble guère adapté à ce travail dangereux. David ? T'es sûr qu'il tient bien ton escabeau ? Ça bouge.
Moi, j'ai vécu 2-3 moments où je me suis à moitié raccroché à des branches ou où j'ai failli me casser la figure. Donc, un grand moment de stress, hein. C'est pas des façons de travailler qui correspondent aux standards qu'on veut donner à nos collaborateurs. C'est beaucoup trop dangereux. Enfin, ils se mettent en risque. Lui n'a pas peur parce qu'il sait le faire par cœur. Moi, j'avais peur. Notre patron a peur. Il va alors décider de travailler sans escabeau. Mais la peur n'évite pas le danger. J'ai failli me le mettre dans le bras, là. C'est dangereux, ce truc. Je me suis fait un peu peur, là. En fait, à un moment, j'ai porté le truc et comme j'ai plus rien dans les bras, j'avais le bras qui était juste à côté, c'est passé juste à ça. La sécurité, c'est complètement primordial. À partir du moment où on utilise des outils qui sont dangereux, qui peuvent couper, il est hors de question de prendre des risques. Moi, je ne peux pas me permettre d'avoir des collaborateurs qui se font mal dans l'exercice de leur travail, c'est tout. Après presque 3 heures de travail, où les règles de sécurité mises en place par Jérôme Faucheur n'ont pas été scrupuleusement respectées, David va constater que son stagiaire a néanmoins fait du bon travail. Ouais, bah, bien ton travail, hein. Sans déconner. Hein. Après, c'est pas évident de tailler droit. Ça va, je vois que t'as les bras en plus. Écoute, t'es sympa. Enfin, moi, en tout cas, je pense que je te prendrai encore un petit peu à l'essai, forcément, mais t'auras toutes tes chances. Je fasse un peu de muscu. 16h30, fin de journée pour notre duo de techniciens. Une journée fatigante pour Jérôme Faucheur, mais qui a été essentielle à son immersion. Yeah, c'est ça. Mes vrais ça vêtements. Ça va, tu t'es pas trop salé aujourd'hui. Ça va. Bon, ça s'est bien passé pour toi, là. Ouais, très bien. Ouais, ça t'a plu? C'était très sympa. Et merci beaucoup pour le déjeuner chez toi. Il n'y a pas de problème. C'est un grand, grand bonheur, t'inquiète. Bon, bah écoute, je te souhaite bonne continuation. Et continue comme ça marchera. Ouais, à bientôt, j'espère. Allez, ciao à toi. Salut, ciao, merci. Ciao, ciao. Puis bonne saison. À toi aussi, t'inquiète. Bon courage, à toi aussi, si t'en fais une. Ouais. Tu vas en faire une, celle-là, la première semaine. On verra. Moi, j'ai trouvé que c'était quelqu'un d'hyper ouvert et généreux. Et du coup, je trouve qu'il a vraiment toute sa place dans notre maison. Dans nos valeurs, il y a vraiment la convivialité, il y a l'ouverture à l'autre, il y a l'accueil. Du coup, il colle complètement à l'entreprise. D'ici peu, David et Simon apprendront que Didier Bournin n'était pas stagiaire en formation, mais le directeur général de l'entreprise qui les emploie. Je ne suis pas Didier Bournin, je ne suis pas stagiaire en formation. Je suis Jérôme Faucheur, le directeur général de l'entreprise. On ne peut pas faire l'entretien des espaces verts sans respecter des contraintes élémentaires de sécurité. T'es un peu avachi sur ta chaise comme ça, ouais, moi j'étais comme un dingue, quoi. Comment réagiront-ils aux remarques de leur directeur général? C'est vrai que ça fout un peu la pression, quoi. Jérôme Faucheur débute son 3e jour de formation incognito parmi ses collaborateurs. Ce matin, je vais découvrir quelqu'un dans son métier. Et donc, j'espère que la journée se passera bien. Loin de ses proches et de sa famille pour les besoins de cette immersion, le directeur général d'une entreprise leader des vacances en mobilhome se rend dans l'un de ses campings à Vindre, dans l'Hérault, pour rencontrer l'une de ses salariés, agent d'accueil. Les agents d'accueil ont un rôle clé. Ils sont le premier contact avec nos clients quand ceux-ci arrivent sur nos campings. Donc aujourd'hui, je vais aller vérifier que les procédures mises en place pour assurer convivialité et respect des valeurs de la marque sont bien acquises. Le poste d'agent d'accueil est un métier essentiel au sein des campings de Jérôme Faucheur. Tout en ayant le sourire et le sens de la convivialité, ces femmes et ces hommes doivent veiller au bien-être des clients de leur arrivée jusqu'au jour de leur départ et les informer des services et des spécificités du site de vacances. Payés 1 506 € brut par mois, ils ont également un rôle commercial, comptable et administratif. On a une piscine, une aire de jeu pour les enfants et un terrain multisport. Il est bientôt 10h et notre patron incognito va rencontrer dans un instant Amandine, agent d'accueil sur le site de Vindre. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je suis Didier. Oui. Je crois qu'on va passer la journée ensemble. D'accord. Bonjour, enchantée. Bonjour. La jeune femme ignore qu'elle va former durant toute une journée son patron incognito. Elle pense participer à un documentaire sur le monde du camping. Du coup, ce matin, nous, c'est les états des lieux. Donc, ouais. On en a à peu près toutes les 10 minutes, donc vous allez venir avec moi et je vais vous former. Okay. Donc, je vais en faire 2-3 où je vais vous montrer et ensuite, je vais vous laisser le faire tout seul et je vous reprendrai si nécessaire. Ok, on se dit tu, c'est plus simple. Allez, si tu veux.
À 24 ans, Amandine est un agent d'accueil expérimenté. Depuis plusieurs saisons, elle travaille sur ce site et rapidement, la direction a su repérer en elle ses qualités professionnelles. Je suis née à Béziers et ça fait 7 saisons que je suis là. J'ai commencé en placière au sein du camping et au bout de 2 saisons, je suis passée en 6 mois donc à l'accueil. En devenant agent d'accueil, Amandine a su trouver sa voie. Pourtant, cette jeune bitéroise se destinait à tout autre chose. J'ai un bac pro secrétariat, donc qui n'a pas forcément un rapport avec l'accueil d'un camping. C'est un métier qui me plaît et je trouve qu'il me colle à la peau parce qu'il correspond bien à mon caractère. Vous allez bien ? Le sourire est très important. Quand les clients arrivent et qu'ils voient quelqu'un souriant, du coup, c'est vrai que pour moi, je pense que c'est hyper important. Passionnée par son métier, elle est en contrat de saisonnier d'avril à fin septembre. Allez, on est parti pour les départs. Le samedi est important dans la vie du camping, puisque c'est le jour de départ et d'arrivée de la clientèle. Amandine doit effectuer rapidement l'état des lieux d'une dizaine de mobilhomes en 2 heures avant l'arrivée des prochains clients. Allez, allons-y. On est parti. Quand on fait un état des lieux de sortie, ce qui est très important, c'est que les gens qui occupent un mobilhome pendant une semaine, on leur confie ce mobilhome. Donc ça veut dire qu'ils l'ont trouvé dans un état impeccable et qu'ils doivent le rendre dans le même état. Bonjour. 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 Oui, vous avez pu profiter avec ce temps ? Oui, ça va. Bon, allez. Allez, on y je va. Je vous présente, c'est David. Didier. Bonjour. J'étais bonjour. Pas loin, voilà. Je forme. Donc voilà, quand on arrive pour faire un inventaire, c'est toujours de gauche à droite. Ok. Donc tu vérifies que tout soit propre. Mm-hmm. Pour ne pas faire attendre les clients, Amandine doit contrôler les mobilhomes en 10 minutes, comme le veut la procédure mise en place par son directeur général. Donc après, les oreillers, vérifier qu'ils soient bien en place. Du coup, ça aide les femmes de ménage. Après, elles n'ont pas à les remettre. Elles vont rester derrière. Voilà, une fois que tu as fait une chambre, hop, tu tires le rideau. Comme ça, on sait que la chambre, elle est finie, on n'a plus à y repasser dedans. D'accord. Ça fait 7 saisons que je suis là, j'ai mes petites habitudes, chaque chose à sa place. Après, niveau organisation, c'est beaucoup plus facile pour tout le monde. On remet, du coup, les couettes au bout du lit. Comment dire, elle est très carrée. Moi, j'ai trouvé qu'elle m'avait dispensé des conseils très, très efficaces, plein de bon sens. Je l'ai trouvée très douée en tant que formatrice. Hop, et les oreillers. Pour le confort des vacanciers, la société de Jérôme Faucheur loue des mobilhomes avec son équipement. Donc là, t'as les verres. Donc c'est 8 petits verres et 6 grands verres. Donc là, c'est bon. Il est donc important, le jour de sortie, de contrôler que celui-ci est complet. Pour nous, ça a une vraie valeur économique. On gagne du temps pour accueillir les clients d'après. Et puis surtout, on s'assure qu'on n'est pas obligé de faire des réassorts, de racheter du matériel. Et donc, c'est très important de suivre ça vraiment à la petite cuillère près. Sans le savoir, Amandine a montré à son directeur général qu'elle sait pleinement effectuer un état des lieux. Mais la jeune femme a pourtant oublié une chose très importante, une procédure mise en place par son patron lui-même. T'as donné mon t-shirt. Du coup, je suis pas en uniforme. Et c'est pas terrible, quoi, ça. À partir du moment où elle m'exposait au client, j'étais son collègue, elle aurait dû me demander de porter les couleurs de la société. Je pense qu'Amandine a loupé ça. Vérifier. L'uniforme, c'est un poste de dépense important pour nous, mais en même temps, c'est absolument capital parce que c'est la première impression que vont capter les clients de leur expérience chez nous. Pour les prochains états des lieux, c'est Jérôme Faucheur, alias Didier Bournin, qui va mettre la main à la pâte, un peu trop sûr de lui. Bonjour. Hop, du coup, je te laisse... Ça, je te laisse faire. D'accord. Et après, je te dirai si tout va bien ou pas. Tadam ! J'étais pas vraiment stressé, en fait, quand elle m'a proposé de faire moi-même un état des lieux de sortie. C'est pas très compliqué, simplement, il faut le faire de manière méthodique. Pour être efficace, un inventaire doit se faire en un temps record. Simple en apparence, cette tâche demande de l'organisation. Surtout quand on ne l'a jamais fait. Tac, ça c'est bon. Ok. La fenêtre est ouverte. Ah. Bien vu. Comment ça se ferme, ce truc ? Bah, ah ouais, non, mais je suis complètement idiot. Voilà. Ça, c'est quoi ? C'est décroché ? Alors non, il se lève comme ça, voilà. C'est comme ça ? C'est ça, c'est une table de nuit, en fait. Ah, c'est une table de nuit ? D'accord. Oui, alors, juste, en fait, on laisse tout dans les placards. Ouais. Parce que tu perds du temps à sortir, re-rentrer.
parce qu'on a vraiment que 10 minutes par mon bilhomme. Il faut un peu... Il faut aller plus vite. Ouais. Bon. Je sais que c'est pas évident, hein, c'est les premiers. Juste un tout petit peu accéléré. Ouais, parce que du coup, on est... On est à la bourre. Un peu à la bourre. Ce stagiaire empoté, mais plein d'assurance, a le don d'énerver Amandine, pour qui chaque minute compte. On avait presque un quart d'heure, 20 minutes de retard. Donc je l'ai un peu bousculé et j'ai dit qu'il fallait aller un peu plus vite. Il est bientôt midi. Jérôme Faucheur va profiter d'une petite pause avec Amandine pour en savoir un peu plus sur sa formatrice. Enfin, après, tout le monde dit tu travailles dans un camping, c'est des vacances. Ah non, moi, je pense que c'est pas des vacances. Non, après, non, c'est quand même plus après, sympa le, que le contexte est agréable. Hein. Je préfère travailler là plutôt que dans un bureau enfermé. Tu vois personne. C'est sûr. Moi hein. Non plus, j'aimerais pas être enfermé dans un bureau, ça c'est clair. Moi, je sais que maintenant que j'ai de l'expérience, parce que c'est considéré comme de l'hôtellerie, en fait, je m'oriente plus vers l'accueil sur des hôtels. Où là, c'est un peu le même principe de réservation, de... Et pas justement des hôtels dans le coin Si, il y en a, mais je postule, hein, mais... Et il n'y a pas de place Non. Bah après, c'est que bah, il faut tomber au bon moment ouais. aussi. Hein. Donc bon. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, c'est la pause. Du coup, on se voit dans 2 heures. On se voit dans 2 heures. Okay. À 14 heures. Oh, bah, bon appétit, alors. Mais merci. T'auras le temps de me montrer un peu donc avant que les premiers clients arrivent. Alors avant que les premiers clients arrivent, peut-être je pas. Vais, je vais regarder en live. Voilà, je vais t'expliquer quand on sera en train de le faire. Ouais, d'accord. Voilà, je vais se récupérer. Ouais. C'est l'heure de la pause déjeuner. En début d'après-midi, plus d'une centaine de clients sont attendus. La journée s'annonce dense, ce qui est loin de rassurer Jérôme Faucheur qui débute au poste d'agent d'accueil. Forcément, je suis un peu anxieux parce que j'ai jamais fait une arrivée sur un camping de ma vie. Je sais qu'il y a plusieurs dizaines de familles qui vont arriver, que je vais avoir des gens face à moi qui auront fait parfois jusqu'à 10-12 heures de route. Donc je peux pas me permettre de me planter dans les procédures, de leur faire perdre du temps. Et il va falloir garder le sourire et en même temps ne pas trop transpirer à grosses gouttes. Il est maintenant 14 heures. Des dizaines de nouveaux clients attendent déjà de pied ferme le mobil-home qu'ils ont réservé. Bonjour. Allez-y, rentrez. Bonjour. Allez. Un client qui sera déçu par ce qu'il aurait vécu sur mon camping, il ira chez mon concurrent. Ça peut pas arriver, ça. C'est pas possible que pour des histoires de niveau d'accueil, on perde des clients. Donc là, je vais donner les explications. Mm-hmm. Donc vraiment, essaye de toujours t'enregistrer parce qu'il y en a pas mal hein, au niveau des explis. Allez, pour la caution, oui, vous la faites par chèque. Donc c'est 2 chèques. Oui, c'est ça. Alors c'est 70 et 100. Du coup, pour le chien, ça fera 35 euros, s'il vous plaît. Je peux payer en carte bleue? Oui, bien sûr. Donc là, on marque 35 euros chien. Donc, vous avez le numéro 186. Ici, nous on est là. Pas de short pour les hommes, seulement un slip de bain ou boxer de bain. Sûr de lui, trop peut-être, le stagiaire d'un jour va demander à s'occuper à son tour de ses premiers clients après avoir observé sa formatrice pendant seulement quelques minutes. Le prochain dossier, je me le fais tout seul. J'espère que c'est simple. Monsieur. Bonjour. J'espère que vous avez un dossier simple. Je débute. Arrivé. Je découvre un petit peu. Hein. C'est gentil, vous êtes indulgent. Confiant, notre patron incognito enchaîne cependant les erreurs de procédure. Des procédures qu'il exige pourtant de ses collaborateurs. Ce qui va avoir pour conséquence d'allonger le temps d'attente à l'accueil. Mais Amandine garde un œil sur lui. Il me faudrait votre plaque d'immatriculation, s'il vous plaît. Juste avant de passer sur la plaque d'immatriculation, excuse-moi, mais c'est hyper important. Paiement ? Oui. Ah, faut toujours le faire ? Obligé. Je crois que je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Ah ouais, c'est alors, l'onglet à pas oublier. Je crois que je l'ai oublié tout à l'heure. Merci. Alors, carte bleue. Avant de prendre la caution. Je vais chercher le numéro du mobil-home. Non, alors par contre, juste un petit truc. Mm-hmm. Remets les choses à sa place, s'il te plaît. C'est que je suis un peu toquée, mais... T'as raison. Sinon, après, il y a de tout partout et... Hop. C'est un peu... J'ai été un peu obligée de le corriger. Si tout le monde faisait ça, on s'en sortait plus, quoi. Excusez-moi. Le métier d'agent d'accueil ne s'improvise pas et Jérôme Faucheur n'est pas à la hauteur. On peut monter, là, pour repartir.
C'est par là. Non. Le portique est ouvert entre 7h et 19h. Donc en 8h. Dehors. 8h et 19h, voilà, on vient de perdre une heure. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Alors, plein de choses. Quand vous entrez dans votre mobilhome, si vous voyez qu'il y a un problème, vous venez nous le dire à la réception quand vous voulez. Non, immédiatement. Nous... Immédiatement. Oups. Ah, ce stagiaire, c'était un gros boulet. J'ai fait des petites erreurs. Bravo. Et c'est là que Amandine veillait au grain. Elle me dit, oui, mais tac, ça, tu l'as pas bien fait. Ou ça, il faut faire plus attention. L'image à l'accueil est très importante puisque, voilà, on porte l'image de l'entreprise. 350 euros pour un chien, ça risque de faire beaucoup parce qu'au lieu de mettre un, t'as mis 10. Ça fait un peu cher, non? Vous êtes venu avec le chenil. Et comme il est pré-réservé déjà, il n'y a rien à payer. Ah si, il est à payer. Ah si, alors il est à payer. Voilà. 350 euros dans une caisse, c'est une grosse erreur parce que du coup, vu que c'est tapé, on va avoir de l'argent de tapé qu'on n'aura pas en caisse. Donc c'est catastrophique, quoi. 35. Non. Si tu mets 35, ça te fait 0,35. Donc ça te fait 35 centimes. Je préfère. Donc c'est 35 euros. Séjour et chèque. Tu pars un peu dans le fou et... 35, je vous fais aussi. Sens. Didier, je l'ai bousculé. Ça a été un peu brusque, je pense, mais bon, il faut, hein. Après, c'est le client d'abord. Je peux faire un petit stop et puis je reviens dans 5 minutes. Toi, tu t'embranles pas une, hein. Les toilettes, c'est à la piscine. Ok. Vas-y. Allez, j'y vais. À tout de suite. Bonjour. Moi, j'ai pas de susceptibilité mal placée. Je considère qu'elle connaît bien son boulot. C'est pas parce que moi je suis son patron que j'ai la science infuse. Face à sa directrice venue lui donner un coup de main durant l'absence de Didier, Amandine ne cache pas son énervement. Mais qu'est-ce qui se passe, dis-moi. Essaye de pas craquer quand même. Ouais, mais je vous avoue, c'est pas loin là. Il écrit pas sur le BE, il est par une caisse. Je sens qu'on va avoir une comptable. Tout va bien. Tout va y arriver. Je vais te faire un dossier. Hein? Oui. À bout de nerfs, Amandine profite d'une pause avec une collègue pour lui confier son agacement. Je te jure, j'en peux plus. Il faut que je gère Didier. Il faut que je me gère moi. Tu vois, il faut que je gère l'attente des clients, que je satisfasse les clients. Le téléphone qui sonne, il faut que je le surveille. Sinon, alors la caisse, s'il est fausse. C'est bon, je me suis tapée toute seule, jusqu'à maintenant. De retour de pause, le duo du jour reprend le travail et répète les procédures inlassablement. Dans la piscine, pour monsieur, pas de short de bain, uniquement boxer ou slip. Pour les messieurs, pas de short, mais uniquement slip de bain ou boxer. Pas de short de bain, uniquement naturiste. C'est un camping naturiste. Uniquement slip ou boxer. C'est bon, vous avez votre slip? Super. C'est bon. Très bien. Bon, c'est pas... L'air de jeu. J'adore le contact avec le client. Moi, toute l'année, je suis dans mon bureau pour essayer de me battre, pour avoir de plus en plus de clients. Et du coup, j'ai pu mettre un visage sur des numéros de dossier. J'ai trouvé ça très, très sympa. Merci. La fin de journée approche et Jérôme Faucheur va s'occuper des derniers clients avec beaucoup plus d'assurance. 53, 83. Paf. C'est bon? C'est bon. Merveilleux. OK. N'hésitez pas à repasser si vous avez des questions. Et puis, bienvenue, passez un bon séjour. Bon séjour. Merci. Au revoir. Au revoir. Cette journée passée à l'accueil n'a pas été qu'un enchaînement d'erreurs pour le directeur général, qui en a profité pour observer des changements à effectuer. Je pense qu'il y a peut-être un point à améliorer sur ce bâtiment d'accueil, c'est d'améliorer l'espace de circulation. Est-ce qu'en été, il ne fait pas trop chaud à l'intérieur, à la fois pour notre personnel et pour les clients qui sont obligés d'y passer un certain temps? Il est maintenant 18h30. Après s'être occupé de plus d'une centaine de clients, la journée touche à sa fin pour Amandine et Didier, son stagiaire d'un jour. Bon, mais du coup, je te raccompagne. Merci beaucoup. Allez. Pour le... Bah de rien. J'espère que ça t'a plu. Ouais, merci. Enfin, j'y connaissais rien, donc là, c'est vite rentré. Maintenant, je sais tout réciter par cœur. T'as appris que du par cœur. Non, j'espère que j'ai pas fait trop de bêtises. Non. Désolé pour le petit truc avec la caisse. Là. Pas de soucis. Merci beaucoup pour ta patience. Merci à toi et bon retour alors. Ouais, merci. Allez. À bientôt. À bientôt. Salut.
Moi, j'ai eu le sentiment que, qu'elle était profondément épanouie dans son métier. Elle se met au service des autres, elle se consacre aux vacances des autres. Je pense qu'elle est vraiment très douée dans ce qu'elle fait. Et donc, je vais essayer de réfléchir à des moyens de tirer le meilleur parti de la personnalité d'Amandine et de ses compétences. Et si cette semaine passée en immersion a été riche en enseignements pour le directeur général, le patron incognito a surtout, et enfin, mis un visage sur les collaborateurs qui font le succès de son entreprise. Ce que je vais retenir de cette immersion, c'est avant tout une expérience humaine. Je pense que j'en ressors vraiment grandi, à la fois parce que j'ai changé et puis parce que le regard que je porte aujourd'hui sur l'ensemble des collaborateurs de la société et puis même de nos clients est vraiment beaucoup plus concret qu'avant. Maintenant, j'ai vraiment hâte de retrouver les formateurs qui m'ont offert ces jours, ces journées complètement exceptionnelles et de leur montrer en fait qui je suis. J'espère qu'ils ne vont pas être trop déçus de découvrir que je m'étais caché finalement derrière l'identité de Didier pour les rencontrer. Après plusieurs jours d'immersion, Jérôme Faucheur, directeur général de l'enseigne spécialiste des vacances en mobilhome, est de retour au siège social de l'entreprise. Avant de révéler sa véritable identité à ses salariés, il a donné rendez-vous aux membres de son comité de direction pour faire un point sur cette semaine incognito. Nora, responsable des ressources humaines. Benoît, directeur des opérations. Philippe, directeur administratif et financier du groupe. Et Grégory, responsable du marketing. Bonjour. Bonjour. Salut. Bonjour. Ce sont eux qui sont les plus proches des collaborateurs sur le terrain. J'ai appris plein de choses pendant cette immersion. J'ai découvert tous nos métiers. Vous avouez que j'en ai un peu bavé parfois. J'ai été estomaqué par le professionnalisme de nos collaborateurs et je crois qu'on peut être hyper fier de ce qui se passe sur le terrain. Bon, je vous cache pas que j'ai aussi relevé des points d'amélioration beaucoup plus importants et graves. J'ai passé une journée avec un technicien à Mir PC. J'ai notamment taillé des haies. Ça craint pas ? Ça saute pas de casser la gueule ? Ouais. Ah. David ! T'es sûr qu'il tient bien ton escabeau ? J'ai failli me le mettre dans le bras, là. C'est dangereux, ce truc. Je peux pas envisager que quelqu'un de la société se blesse. C'est juste pas acceptable. Benoît, je voudrais que tu fasses passer le message. Mm-hmm. Je veux plus de trucs comme ça, quoi. Sur l'animation, on avait décidé de cette année de faire un test, justement, en recrutant nous-mêmes nos animateurs. Mais je considère que les conditions sont pas réunies aujourd'hui. Le test ne se réalise pas dans des conditions suffisantes. Donc c'est un échec. Le jeune animateur qu'on a recruté là pour l'ouverture, il n'a pas été suffisamment accompagné. Qu'est-ce qu'il connaît le matos, là ? Je sais même pas si le même il connaît le matos du matériel. Hein. Je l'ai trouvé très attentiste pour un animateur. J'ai trouvé qu'il manquait un peu de peps. J'ai travaillé avec lui à son troisième jour chez nous. Mais en tout cas, il n'a pas été suffisamment accompagné. Donc on est encore au printemps. On a le temps de redresser la barre, mais il faut absolument le faire parce que cet été, il faut que tout soit nickel. Bonsoir. Un dernier point, c'est l'accueil des clients. J'ai été formé par quelqu'un de très bien et j'ai pu travailler avec elle. Simplement, l'accueil, ça se passe dans un endroit qui est assez confiné, dans lequel il fait chaud. Et du coup, je trouve que les conditions de travail sont pas forcément évidentes. Et pour les clients, c'est pas forcément hyper agréable de patienter dans un local un peu surchauffé. Donc Philippe, je voudrais vraiment que tu débloques un budget pour qu'on puisse faire quelques travaux dans cette réception. Il faudrait aussi qu'on généralise le fait d'avoir des bonbonnes d'eau à la réception. Ça, c'est vraiment... ça coûte pas très cher, mais après 10 heures de route, quand il fait chaud, le fait d'avoir la possibilité de prendre un verre d'eau, c'est absolument essentiel. Je compte vraiment sur vous pour mettre en place ces actions. Encore une fois, c'est pour nos clients, parce que je veux vraiment qu'ils passent les meilleures vacances possibles. Et c'est pour nos collaborateurs, parce que il faut qu'ils aient les outils pour travailler dans de bonnes conditions. Je vais aller les retrouver.
et puis leur dire qui je suis vraiment. Et voilà, je suis un peu stressé, mais j'ai vraiment hâte de les retrouver. Voilà. Merci beaucoup. Dans le cadre du reportage, Jérôme Faucheur a convoqué au siège les employés qui ont été ses formateurs pour leur annoncer la vérité concernant son identité. Convoqué au siège, je ne sais pas pourquoi. On ne m'a jamais convoqué jusqu'à maintenant ici, donc c'est stressant. Tu pars un peu dans tout et... sens. C'est bon, je me suis tapée toute seule. Je ne sais pas, je me dis peut-être que j'ai fait quelque chose de mal ou... Je ne sais pas du tout. Juste, qu'est-ce qui va se passer, voilà. Qu'est-ce qui va arriver, j'attends de découvrir, quoi. T'as mis de la crème, un peu? Ouais. Pas toi? Ah. Simon, ça craint ou pas, s'il a pas de... S'il a pas de crème? Je me pose des questions. L'émotion, on la contrôle pas. Je suis stressé. Devenir aussi, ça m'a un peu stressé, oui. Ça m'a un peu stressé. C'est un « oh, bah, j'arrive à savoir, les gros bras qui savent que ça fait 5 ans que je suis là, que je fais en sorte pour que ça soit bien, tu vois. » Je suis là, c'est pour une bonne raison, donc soit du positif, soit du négatif. On verra bien. Bonjour David. Ça va bien? Est-ce que tu me reconnais? Mais oui. Tu sais qui je suis? Didier. Je ne suis pas Didier. Tu changes pas malgré que tu es un costard. Ouais, exactement. Je suis Jérôme Faucheur, le directeur général de l'entreprise. Mais je ne suis pas Didier Bournin, le stagiaire en formation. Oh non. Je suis Jérôme Faucheur, je suis le directeur général de l'entreprise. Je ne suis pas Didier Bournin. Je ne suis pas stagiaire en formation. Bienvenue au siège. Merci. Que je me suis fait bien avoir. Ça va? Ça va. Ça va. Surprise, mais... Oui, oui, surprise. Ça va. Est-ce que on continue à se tutoyer? Okay. C'est vous qui voyez, monsieur le directeur. Eh ben voilà, bon, on va se dire tu es là. J'ai voulu... qu'on se rencontre parce que je voulais découvrir ton métier. Je suis pas du tout déçu de ce que j'ai vu parce que ça a été une journée très formatrice. Tu pars un peu dans tout et... 35. Il faut que je gère Didier. Je te jure, j'ai un peu plus. J'ai trouvé que t'étais de bonne humeur dans ton travail et ça fait plaisir à voir. Ça a été une première leçon, c'est que quand on sourit à nos clients nous le rendent bien. C'est ça. Et j'ai le sentiment que les gens avaient passé de très bonnes vacances. Voilà, j'ai aussi... noter que tu vois, t'as passé ton temps à me presser, à me dire dépêche-toi. Je suis désolée. Mais non, mais c'est normal justement, c'est ça aussi que j'attends. Par contre, on va essayer de. Faut qu'on spine un peu. Oui, parce que c'est 11h moins le quart, il est 10h. On a, le rendez-vous était à 10h30. Ouais. J'ai été très sensible au fait que tu me mettes un peu des coups de pied dans les fesses. Parce que. On faisait attendre les clients. Mais non, mais t'as pas à être désolée justement, c'est moi qui étais désolée d'être un peu lent. Du coup, je vous ai un peu bousculé. Il faut un peu. Faut aller plus vite. Ouais. Ouais. Parce que du D'accord. coup. On est à la bourre. Un peu à la bourre. Je l'ai un peu bousculé et j'ai dit qu'il fallait aller un peu plus vite. Donc vraiment, je voulais te dire bravo. Merci. Je trouve que tu fais extrêmement bien ton boulot. En revanche, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc que tu avais loupé. Oui. Dans la présentation. Est-ce que, à ton avis, il y a quelque chose qui te revient en tête Là, non. Bon, je te rassure, toi, ta présentation était parfaite. Le problème, c'est que t'étais avec un stagiaire. Oui. Et lui, sa présentation n'était pas parfaite. C'est ça. Est-ce que tu te souviens du look de Didier? Je m'en souviens très bien. Il était beau, Didier, hein? Parfait. Son t-shirt de skate, les lunettes dans les cheveux et... Oui. Il m'a donné mon t-shirt. Du coup, je suis pas en uniforme. Et c'est pas terrible. C'est pareil, avec exactement l'image qu'on veut donner aux clients. D'autant plus qu'on a quand même de beaux uniformes, une belle tenue de travail. Bien dans sûr. La... C'est très bien, parce que toi, t'étais nickel. En revanche, j'aurais dû dire à Didier de mettre l'uniforme. Je me suis trompé dans l'enregistrement des chiens. Oui. J'étais un peu fait sursauter. 350 euros pour un chien, ça risque de faire beaucoup, parce qu'au lieu de mettre mais un, je me suis gouré, en fait. T'as mis 10.
Ça fait un peu cher, non? Si on fausse dans le dossier, après du coup ça fausse dans le compta, enfin c'est... Après c'est un peu le souk. Ouais, c'est le souk, j'ai mis le souk, je suis désolé. Non mais c'est rien. J'ai pas trop mis quand même. Non, ça va. Ça va. Ça va. T'as été une très bonne formatrice. Tu mets le client vraiment au centre de ton attention et ça, les clients le sentent. Il y a ce côté un peu familial que je trouve très chouette. Et du coup, moi, je voudrais te demander un truc, en fait. Comme je trouve que tu m'as très bien informé, je voudrais qu'on travaille ensemble sur... un module de formation, tu vois, pour les agents d'accueil. Mmh. Et si tu es d'accord, j'aimerais bien qu'on le fasse ensemble. Voilà. Bah, pas de souci. Avec grand plaisir. C'est super. Ça me touche et j'en suis fière. Et ce sera avec grand plaisir que je ferai ça avec lui. Donc on va se revoir. Et puis voilà, grâce à toi, tu vois, je vais pouvoir améliorer des choses et c'était une super journée. Bah tant mieux, merci. Merci beaucoup d'être venu jusqu'ici. Ça fait toujours plaisir de s'entendre dire qu'on fait bien son travail et qu'en plus on le communique bien. Donc j'ai été vraiment touchée et voilà, c'est quelque part une fierté que le boss me dise ça. J'ai voulu venir te rencontrer, en fait, parce que d'habitude, on fait appel pour l'animation à des sociétés extérieures. Mmh. Et donc, on a voulu faire un test cette année en recrutant nous-mêmes nos animateurs. Et toi, en fait, t'es le premier à faire ce métier d'animateur en étant salarié de l'entreprise. Mmh. Je vais commencer par des choses que j'ai constatées et qui m'ont posé problème. Le premier point, il faisait 30 degrés. Et donc, quand il fait 30 degrés, il y a quelque chose de très important, c'est de s'hydrater. Ah ouais, attends, on boit quand, là? Il faut s'assurer qu'on est capable de donner de l'eau aux enfants. Il faut savoir qu'un enfant, quand il te dit « j'ai soif », en fait, ça fait déjà 20 minutes que son corps est déshydraté. Ah ouais. Les clients qui nous confient leur enfant, c'est ce qu'ils ont de plus cher, leur enfant, donc on se doit Je suis d'accord. De bien s'en occuper. L'animateur, c'est toi. C'est à toi qu'on confie les enfants et c'est vraiment important de faire très attention. Ouais, à partir de ce jour, ça a été réglé. Donc il y avait la crème. C'est très bien. J'avais annoncé à tous les enfants de ramener aussi des casquettes et des lunettes. Des casquettes, tu vois, exactement. Casquettes, lunettes, tout ça, c'est important. Je voudrais parler là maintenant du soir, des jeux qui sont proposés le soir. Bon, y a les grands classiques des jeux apéro dans le camping, c'est une institution. Il y a des choses très classiques comme le jeu du chapeau. Mais j'ai senti que les clients qui étaient là, le public, étaient demandeurs aussi de quelque chose d'un peu plus rythmé. Est-ce que vous voulez faire un blind test après? Ouais. Bon, je vais chercher ça. J'ai voulu organiser un blind test en fait pour te montrer qu'on peut faire des animations qui bougent, que les gens sont vraiment en attente. Mm-hmm. J'ai pas eu assez de briefing en ce qui concerne les jeux de quiz. Et donc, du coup, j'étais vraiment dans cet handicap-là. Là-dessus, t'as mon soutien et puis on va faire changer les choses. Okay. Un autre point, toujours vérifier le matériel. Ouais. C'est vachement important parce que les enceintes étaient neuves et tu les avais pas testées. Bon, et tu vois, les gens devaient arriver à 19h. À 7h moins 10, on branche le truc, ça marche pas. Je sais pas comment ça fonctionne. On est mal, là, non? On va passer pour des idiots, là. Est-ce que ça t'a stressé, toi? Ouais, un petit peu, ça m'a stressé, parce que vu qu'on a un monde devant nous, ils attendent quelque chose. Tu vois, tu me dis que t'étais stressé, mais quand ça marchait pas, j'ai dit qu'il faudrait peut-être appeler le directeur. Et tu l'as appelé, t'étais un peu avachi sur ta chaise comme ça. Ouais, moi, j'étais comme un dingue, quoi. Il faut être actif. J'ai trouvé que t'étais un peu passif, parfois. Je voulais te proposer, tu vois, cet été, quand il y aura d'autres animateurs qui vont être recrutés, d'avoir un tuteur parmi cette équipe pour que tu puisses progresser et bénéficier de son expérience. Oh, ça marche. Ça serait une très bonne idée. Mmh. Ouais. Bon, ça me fait plaisir, en tout cas, que tu aies envie de progresser. Mais c'est qui ne veut pas progresser, c'est qui n'a pas envie de vivre, quoi. Mais t'as bien raison, ouais. Et j'avais un autre petit truc à te demander. Ouais. J'ai cru comprendre que t'étais un passionné de foot. Ouais.
Ce que j'aimerais, c'est que tu organises cet été un petit match ou un petit tournoi entre l'équipe du camping et puis des clients. Voilà. Et moi, je viendrai. Et puis, on jouera ensemble. Écoute, ça serait avec un grand plaisir. Hein. Bon, merci beaucoup, en tout cas. Mais merci à toi, Jérôme. Je te raccompagne. Rentre bien. Mais tu reviens quand tu veux. Oui, je vais revenir. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Non, mais c'était un truc de dingue, quoi. Je suis impatient de le revoir, sur le terrain, proposer un grand, grand foot. Donc, ça serait super, quoi. J'ai voulu passer cette journée avec toi parce que je voulais en savoir plus sur le contrat de saisonnier. L'entretien des espaces verts, c'est quelque chose de très important parce que nos clients viennent dans les campings pour être dans la nature. Tu fais bien ton boulot, j'ai rien à redire là-dessus. Merci. En revanche, on peut pas faire l'entretien des espaces verts comme ça, sans respecter des contraintes élémentaires de sécurité. Moi, je trouve qu'il y a eu des manquements de ce côté-là. T'es sûr qu'il tient bien, ton escabeau ? Un autre point. Tu vois, on rentre dans le cœur du sujet. Je voulais comprendre le statut de saisonnier. J'avais besoin de parler, là pour le coup c'était pas de la formation professionnelle, j'avais besoin de parler à un individu. Tu m'as ouvert ton cœur, et donc je t'en remercie parce que tu l'as fait sans filtre. Non, du tout, ouais. et jamais j'aurais pu avoir cette discussion, tu vois, si je m'étais présenté en tant que Jérôme. Je pense pas. Tu m'aurais pas dit les mêmes choses. Non. C'est un « oh, bah, j'arrive à savoir, les gros bras qui savent que ça fait 5 ans que je suis là, que... Je fais en sorte pour que ça soit bien, tu vois. Alors j'aimerais bien qu'ils l'entendent un peu et puis qu'ils disent, bon, bah, lui, jeune, quand même, au bout de 5 ans, elle a fait ses preuves, c'est bon, on va lui faire signer un CDI, quoi. Je sais que tu... Parce que tu m'as raconté, en fait, quelles étaient tes préoccupations et tes contraintes personnelles. Tu m'as parlé de ta fille. Et ça m'a beaucoup touché parce que, tu vois, moi, en fait, on a le même âge. T'avais l'impression que j'avais, je sais pas, 30 ans. Ouais, bah oui. Moi aussi, je suis papa, tu vois. Et donc, ça m'a beaucoup touché de savoir, en fait, pourquoi c'était tellement important pour toi et de comprendre quelles étaient tes contraintes. T'as été hyper sympa avec moi. Tu m'as dit que si tu pouvais m'aider, si t'avais le bras assez long, tu me donnerais un coup de pouce, mais que tu connaissais pas les gens du siège. Mais il se trouve que moi, j'ai le bras un petit peu long dans la boîte et j'ai envie de te donner un coup de pouce. Donc... je voudrais te proposer un CDI. C'est pas un cadeau, c'est parce que je trouve que tu le méritais. J'ai identifié des besoins dans la région qui font que on pourra trouver une solution pour que tu sois en CDI chez nous. Bah, c'est super génial. Bah, ouais, je m'attendais pas à tout ça. Je suis un peu pris, je suis un peu pris de court là. Je sais, après qu'à début qui sait quoi répondre, je sais pas trop quoi répondre. Ça me fait énormément plaisir. Surtout pour ma fille. Ça me fait très plaisir aussi. Moi aussi, ça me touche. Pas pleurer, mais bon, ça me fait vraiment plaisir à l'intérieur. Ouais. Oh, le truc de fou. Ouais. Bah, je suis vraiment heureux, surtout ma fille qui va être heureuse. La priorité, c'est ma fille. Moi, je vais pouvoir y assurer un avenir maintenant. C'est le principal pour elle. Puis bon, elle va voir surtout à mon visage que... elle ne va pas les décompresser, quoi. Écoute, je te remercie infiniment pour c'est moi qui te remercie pour tout ce que tu as fait pendant ces 5 ans et puis que tu vas continuer à faire avec nous. Merci beaucoup d'être venu. Je le ferai du mieux possible, il n'y a pas de souci. Ça va me changer ma vie, ça c'est sûr et certain. Et ouais, je pense que ce soir je vais avoir les yeux qui vont pétiller ou je vais peut-être avoir du mal à dormir surtout. Je pense que ouais, c'est génial, je suis vraiment, 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 vraiment heureux. Bienvenue bientôt. Chez nous. Bah, merci, c'est gentil. Et c'est bon, ce soir je vais bien dormir. À bientôt. Ciao.